YouTube, ne paniquez pas. Ruler of the Sky Road. C'est un nouveau-né, il va l'échouer. C'est un nouveau-né, il va... Oh, il a fait dans son froc. Oh, mais mon embuscade, ils l'attendent pas. Il a fait dans son froc. Qui est-ce qui fait dans son froc, maintenant? Hein? Voilà. Eh ben, c'est bon. Haha. Petite bite. Le raccourci... Pour 500 balles. C'est moins un tour ou moins deux tours un raccourci, oui. C'est moins un ou moins deux? Moins un? Ça vaut pas 500 balles en vrai, mais bon. Je prends. Bon alors, maintenant. Paf! Voilà. Faut rester là-dessus. Là, on avance. Faut suivre les traces de pipi. Attends, oula, mais c'est pas la même armée? Ouais, Grimgore qui est très très fort, mais probablement... Enfin, qui est très élevé en rang de force, probablement grâce à sa WAG. Clan Eshin, ils ont 7 colonies quand même, va falloir se méfier. Loki, rang de force 6, hein. 7 colonies également. Hein. Ouais. Dragon blood thrives in heat. Toi, tu vas là, comme prévu. As planned. Ok. Plus 860. Mais... Raid moins 80. Mais d'où elle sort cette variation de pognon à ce point? C'est pas un raid. Bon, c'est pas les 80 là qui ont changé à ce point là. Je n'ai pas recruté de troupes en plus. C'est elle avec son bonus de... Son bonus de thunes? Bonus de revenus? Modifie les revenus de 4%. Et les camps ogres, normalement, ils apparaîtraient dans raid. En plus, lui, il est pas en camp. Et là, il est pas chez moi. Il est juste à côté. Plus la réduction d'entretien de troupes comme t'es plus sur ton territoire. Quelle réduction? Attends, c'est là, c'est... Ravitaillement, reconstitution... Coût de recrutement moins 10%. Non, c'est pas la boussole. Qu'est-ce qui me donnerait ce bonus là alors? Leader of men. Durée de construction moins 1, croissance plus 20, coût de construction moins 10% pour les bâtiments. Il n'est pas en harmonie non plus, lui. Coût de recrutement moindre, rang recrutement moins 1. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, vous savez pas non plus, quoi. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui fluctue à ce point, bordel? Le commerce? Non, ça m'étonnerait. Étrange. Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de fluctuations pour pas grand chose. Des
T'es à l'équilibre indien. Non, non, les deux territoires que j'ai ne sont pas à l'équilibre. Et c'est pareil depuis... c'est un coup 6 tours. C'est pas ça qui fluctue. C'est pas ça qui change. We shall prevail. Ouais, je crois que ça doit être ça, le ministre des Finances prend dans la caisse. Loyaliste céleste, c'est oui pour lui. Oh oui, avec un petit accord commercial. Voilà, je prends la totale. Ah oui, la présence de Zhao Ming influe peut-être. Peut-être qu'elle met... à l'équilibre la province, mais enfin ça ferait varier à ce point là. Ça me paraît quand même énorme. Là on va tester. Là la province elle est à... elle est au premier cran de Yang. Donc si je prends la ville ici... Ouais, pas grand monde. Ah ouais, oh putain. Ah oui, c'est ça. Ah, mais les bâtiments ont... Attends, what? Ah bah c'est juste que les bâtiments sont... Non, c'est pas... C'est pas Zhao alors qui influence le truc. Lui, il est quoi? Il influence pas, lui. Il influence pas parce que sinon il déséquilibrerait la province. Donc non, il n'influence pas... Mais là, je suis passé à deux bâtiments. Mais alors, c'est bizarre. Comment, s'il influence pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi avant il a influencé le truc? Ah, parce que j'ai perdu l'hôtel d'alchimie, mais j'ai récupéré celle-là. Et là, maintenant, c'est à l'harmonie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas sa présence à lui qui a fait varier le truc. Avant, j'avais le... Ouais, ok, c'est ça. Mais du coup, la fluctuation est effectivement énorme avec ça. Revenu généré par les bâtiments, plus 15%, et entretien, moins 25%. Voilà, il est là, le truc. Et c'est pour ça qu'il y avait eu une fluctuation de Yin et Yang. Mise à sac de colonie. Ça, c'est quoi, ça? En recrutement, plus 3 pour la cave et bonus de charge, plus 10%. Rébellion imminente. Ah ouais. Ils en ont un petit peu marre que ça se défonce tout le temps. Le héros influence. Mais s'il influençait, je devrais être en déséquilibre, hein, là. Donc, a priori, non. S'il est pris en compte, là, c'est déséquilibre. Hein. C'est pas possible. Et ça, l'influence des personnages, je crois que c'était le cas avant qu'ils changent le fonctionnement de ce truc-là. Avant qu'ils fassent le patch qui change l'harmonie. Pas un truc qu'ils ont viré à ce moment-là, ça? Ah, oh, c'est fou quand même, les Skaven qui se baladent partout avec des armées d'esclaves remplies à ras-bord. Alors, toi, tu peux prendre... Ah oui, je pourrais prendre des mercenaires ogres, mais non, merci. Tu vas faire ça. Tu vas faire... Alors ici, par contre, je veux faire une province qui va être plutôt orientée
pognon. Donc... Là, j'ai beaucoup trop de yin. Faut faire du yang. Ouais, plus d'autorité. La thune, j'en ai, c'est pas le problème. Il me faut une deuxième armée, hein. Ça c'est sûr. Oh what? Ah c'est un à la fois? Oh 1600, 1700 balles en global, oublie hein. On va recruter doucement. Instrument of the divine. Attends, mais qu'est-ce qui a changé pour que je n'ai plus que un? Je vais faire ça. Mais c'était pas le cas avant. Il y a un truc qui a changé, tiens. Qu'est-ce qui m'a foutu un malus qui fait que je n'ai plus que ça? Attends, je vais essayer de voir ça. Que j'ai plus que une capacité de recrutement. Pourquoi j'en ai plus que un? General of the Celestial Host. Ah, il y a un malus avec ça. Ah oui, capacité de recrutement local moins 1, c'est ça. Je suis... Ah oui, j'ai franchi un palier, du coup c'est la merde. Mais ça, ça va se redresser avec l'autre. Fire and metal. La boussole... Bah, j'ai bien envie de garder la reconstitution des victimes. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de bonus autre que ça. Donc... Merci Gecko Story pour les 30 mois. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, la sœurette? Bon, déjà, commerce. Voilà, la sœurette, elle veut bien... Ah ouais, ouais, non, mais d'accord, elle est même prête à payer. Ouais, ouais, non, mais très bien. Ouais, pour l'instant, ça va, elle est pas trop chaotique, je trouve. Là, ça va. Ouais, c'est comme avec l'Inquisition, hein. Si tu payes, bon. Ça peut changer la façon dont ils voient les choses, quoi. Ça, c'est chaotique, ça. Hein, combien? Ah, ah oui. Là, c'est moins chaotique. C'est... Non, c'est pas trop chaotique. Ça, ça va, ça va. J'ai le même chez moi. guerrier de jade, arbalète et bouclier x3. Ou deux buffles ogres, oui. Oui, oui. Pas mal. Interference will cost. C'est les rebelles? C'est les rebelles, ils font les caravanes aussi. Desert Alchemist. Oh. I refuse. Oui, des contes vampires rebelles qui arrivent là-bas. Ouais, j'ai vraiment besoin de deux armées de fou. Hein. Ah là, ça y est. Attends, ça y est, on est repassé. Ah oui, on est repassé à 1. Et comment ça, j'ai eu plus 2? Attends, ouais. Ah, mais oui, à cause de l'ordre. L'ordre me fait plus 1 et le fait que je suis revenu un petit peu vers l'équilibre me fait plus 1 aussi. Plus 1, plus 1, ça fait plus 2. Le compte y est. Le compte y est. Tac, tac, tac. On aura des hommes corbeaux après. C'est vrai que le territoire est déjà relativement grand à gérer en fait. Je pourrais foncer à Xingpo pour l'emmerder. C'est jouable, hein. Ouais, c'est complètement jouable. Ça, ça pourrait bien l'emmerder, lui. Tiens, viens. Venir taper ta maison, là. Bon, Xenwu, si ça tombe. Bon, à la limite, hein. Voilà. C'est un oui. Même pour 46 terces, je prends. Faut produire des ressources, hein. Le pognon va arriver, hein. Va couler à flot. Faction détruite, faction détruite, faction détruite. Faction détruite. Ah ouais. Ah, ça se bagarre là. Ah, à partir de maintenant, l'invasion pourrait tomber à peu près n'importe quand. Servant of the dragon.
Ah, des hommes bêtes. Bon, on va espérer qu'il n'y ait personne de trop solide à l'intérieur. Ah, ils sont le mortier. Bah, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut pour neutraliser. J'attaque. C'est jouable. Complètement jouable. Les pluies incendiaires. Bon, en pilonnant déjà, vont faire des dégâts. Après, faudra neutraliser le mortier très vite. Bon, et puis il y a Snitch qui fait un peu peur. Mais Snitch, il n'est pas encore très haut niveau, donc ça va. Il picote quand même, mais bon. Il se prend un coup de queue de dragon sur le pif. Il va pas trop la ramener, quoi. Une bataille de plaine? C'est une bataille de plaine ici? Attends, c'est pas une ville majeure? Comment ça, mon ref? C'est une bataille de plaine, wesh! Ah, dommage qu'Alpha soit pas là pour pouvoir profiter de ce moment. Mais wesh, pourquoi c'est comme ça? Comment ça, mon ref? Pourquoi? Oh, ça me fait penser qu'il y a le nouveau... Ah oui, c'est le nouveau best-of. Un nouveau best-of sur Helldivers à nouveau. Il sera sur... Il devrait être en ligne bon, tout début de semaine. Il est absolument délicieux de nouveau. Merci Full Tiger pour les 27 mois. Je pense que c'est trop vieux pour ces conneries. Eh oui. Bah on est deux, hein. Je te rassure. On va faire ça. Merci Rufus pour les 33 mois. C'est une ville mineure, mais c'est pas une ville majeure celle-là. C'est une ville mineure. Je savais pas. J'étais pas au courant. Elle me l'a pas dit. Comment j'aurais pu deviner? Ah oui, je peux repérer Snitch depuis super loin avec les corbeaux. Ah, c'est cool ça. Bon, attends, mets-toi à portée, toi, parce que tu vas te faire plaisir. J'aime autant te le dire. Oh, les salauds! Oh, voilà! Voilà ce que je veux! Je suis hors de portée, hein. Ouais. Tous les jours, je suis hors de portée. Évidemment que je suis hors de portée. Allez, pilonnez-moi ça. Alors toi, tu vas rester là. Tu vas faire ça. Et tu vas faire ça. Histoire de couvrir un petit peu les arrières. Mais pas là, espèce de turbo-gland. Attendez, avancez-vous, parce que là, c'est la cata. Ouh, attention. Vous neutralisez pas mes trucs, c'est non. C'est non. Ils arrivent, hein, il semblerait. Non, cassez-vous. Et vas-y, fous-leur une grande tatane. Ça augmente aussi augmente le temps de repos. Rechargement, non, c'est un pur rechargement. Réserve restante 4, ok, ça vaut pas la peine. Oh, ça tire! Alors, ça cible les corbeaux, ce qui est plutôt bien pour moi. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Oh, il
Ils tirent sur quoi là? Ok. Hit and run, hit and run. Snitch, il est dangereux pour la cave en plus. Particulièrement dangereux pour les Langma. Allez, tous avec le patron! Ah non, pas tous, mais certains quoi. Voilà. Ticar Wash. Iskeven Wash. Prendre une autre unité pour venir par ici. Oh, bien ça. Bien, bien. On va quand même utiliser ça à un moment donné. Et hop, venez faire écran. Allez, go. Terminez-moi ça, tout va bien. Les longues mailles sont ici. Attends, non, là. Ok, ok, je préfère utiliser la main de plomb. Enfin, quoique, ce sort-là, il est pas très très cher. Et au moins, ça donnerait le gros bonus à toutes mes troupes à chaque fois. Donc, allons-y. Ok, on neutralise les tireurs tranquilles. Non ! Aouh ! Bon, attention, il y a Snitch qui est... Bon bordel. Ok, reconduisez-les vers la sortie. Rien. Les défenses sont en train de... faiblir. T'as pas mieux de lui mettre des coups de queue à lui? Non, les longues mages, je les garde, mais restez safe, quoi. Bon, allez, vas-y maintenant. On va essayer les coups de queue, on va voir. Bon, les gardes du dragon céleste, ils sont invincibles. Encore à corps, en tout cas. Allez, éliminez-moi ça. Ok, ciblez ceux qui se barrent. C'est pas beaucoup, beaucoup mieux, hein. Oh. Aouh. Ok, elle s'en va. Oui. C'est bon, le nombre est en train de basculer en notre faveur. C'est pas bon du tout pour eux. Mais il est là, celui qu'il faut aplatir à coup de queue. On va les avoir au moral. Essayez d'engluer Snitch avec les gardes du dragon céleste, ça devrait l'occuper un moment. Ok. On va ramener tous les tireurs au même endroit et on va le gérer. Empêche-les de revenir. Vous arrêtez de tirer, ça suffit. Et on met ceux-là.
Ouais, vous vous cassez, hein, on s'en fout. Hein. On va s'assurer que ceux-là se bat. Oh, et oh, oh! Il est là! Allô? Fire! Faut lui calmer son moral. Merde, il a encore du... Oh oui, c'est bon. Oh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé du tout. Voilà, chais. Oh. Chais. Aïe, aïe, aïe. Oh, les hommes corbeaux, quoi. Ah oui, un petit 600 kills pour les... la pluie incendiaire. Là. Pas mal. Dont 300 chez moi. Oh là, les coups de surin qu'il met l'autre. Waouh. Non mais il y a des poisons là-dessus, t'as même pas idée. Hein. Comme si tout le Hellfest avait léché le même couteau. Il y a des trucs là-dessus, t'as pas idée. Hein. Seul un événement tel que celui-là peut créer des monstres pareils. Voilà. Ah ouais, c'est une ville mineure, j'étais persuadé. Je crois que... Il n'y a peut-être aucune campagne où je suis allé capturer cette ville. Potentiellement, à part quand j'ai joué Snitch. Je me souvenais pas du tout que c'était une ville mineure. J'étais persuadé que c'était une ville majeure. Revenu sans production de ressources de gemmes. Oui. Ouais, là, on n'est pas à l'équilibre. On n'est pas à l'équilibre, ma bonne dame. Kunlan, c'est là-bas. On rentre dans son territoire, malgré tout. Petite unité de lanciers, non, non. Bon, ils étaient nombreux, hein. Ah, ultime transmutation, ça pourrait être pas mal. Constellation du dragon. Oh, en dégâts de zone, il y a moyen de se faire plaisir aussi avec ça. Mais ultime transmutation, ça calmerait Snitch. Mais si on prend les deux... Boon to my experiments. Yuan Bo, c'est toi? Pourquoi il parlait avec de la réverb? Ça m'a perturbé. Ça m'a fait trop bizarre. Je me souvenais pas qu'il avait des voice lines en réverb comme ça. Celestial General. Ce serait bien d'être à l'équilibre quand même. Hein. Oh, il y a ça. Hein. Permet le recrutement de héros astromanciens. Héros plus 1 pour les astromanciens. Rang plus 7 pour les... Dégage! Alors, je veux ça. Voilà. Aucun intérêt à avoir l'autre, en fait, pour l'instant. Capacité. Machin bidule, capacité maximale de cargaison plus 20%. Oui. Indeed. Oh, plus 7 niveaux, ouais, c'est ouf. Comme ça là, dès le début. Pas mal, hein. Oui, ça c'est ok. Je vais être encerclé. C'est pas grave, on a fait une belle prise. La mine d'or, enfin la mine de gemmes en plus. Bon, voilà, une belle prise. Une belle prise, une belle prise. Il y a beaucoup d'armées, hein. Brassard enflammé, remporté 8 batailles. Oh, ils sont tellement gratos les items de Zhao Ming. Entretien moins 5% pour l'armée, corruption moins 5, attaque plus 3, défense plus 3, capacité passive, les brassards enflammés. Attends, quoi? Activer si au plus 25% des PV. Unité volante. Comment ça, unité volante? Donc, quand il tombe sous les 25% de PV, il va gagner un bonus en deux phases. Phase 1, plus 8% de soins pendant 4 secondes. C'est pas mal. Donc il gagne une grosse régène de vie pendant 4 secondes. Et puis il gagne 20 secondes de résistance aux dégâts, 40%. Oui, c'est uniquement sous sa forme de dragon, du coup.
Gros. Donc, si on est. Bah, quand il aura l'item. Si on est dans la merde en fin de bataille, il faut impérativement le mettre en forme dragon. Pas en forme. Oh la vache! I see its potential. Charming. Attends, what? Comment ça, plus 680? Il y a de nouveau un truc obscur. J'ai un peu de raid, j'ai quelques unités qui viennent d'arriver, mais pas de quoi justifier. Putain, tout à l'heure j'étais à plus 1900 quand j'étais en harmonie, enfin dans une province en harmonie. Et là c'est le cas, parce que j'ai viré le bâtiment. Donc là j'ai bien entretien, moins 25% et tout. Ah, j'ai un autre pillage ici. J'ai perdu cette ville qui rapportait jamais une somme pareille. Peut-être pas une bonne idée. On va se laisser se régène, hein. Pacte de l'agression. Nah! Il a pas l'air de vouloir se tracasser de moi, lui. Et normalement, les fluctuations de thunes les plus fortes, c'est les 25% d'entretien de l'armée. Et là, à ce stade, ça doit être ça, doit être ça le plus gros effet. Fight in order, Dragon. Il a piqué ça. Where is the promised unity? Et ici, du coup, elle a basculé dans le Yang. C'est pas ça qui justifie un truc pareil. Et là, je suis revenu à 1200. Putain. Ah, les effets économiques dans tous les sens! Putain, l'harmonie de, l'économie de Katès, c'est dur de suivre. Pourquoi elle monte à ce point et elle descend à ce point? Tellement d'effets différents qui peuvent intervenir. Mais bon. Je vais attendre qu'ils viennent sur moi. Alors que là, pour le coup, il n'y a pas eu de changement. Hein. Et en pillage... Il y a à peu près... Enfin, il y a un pillage de moins. J'étais à moins 300, là je suis à moins 186. Il y a un pillage de moins et pourtant je suis repassé à plus 1200. General. Alors que l'harmonie n'a pas changé pour le coup. Merci gros lure. Gros le dur. Merci pour les 9 mois. Un siège. Ben oui, donc pourquoi c'est remonté d'un coup comme ça alors que en plus j'ai un siège. Que l'harmonie a pas changé. Je sais pas. Cathay must never stand still. T'as un bonus d'économie sur les tours impairs, ouais, ça doit être ça. Victoire de justesse. Non, j'ai pas envie d'avoir des pertes pareilles, moi. Comment il met des pertes pareilles? C'est à cause du lance-flamme? Les zombies te lancent des pièces d'or pour acheter les défenseurs, ça doit être ça. Oh, petite map couloir, là. Ah oui, interception souterraine, il vient d'arriver. Ça, c'est bon, ça. Petite armée qui va croustiller sous la dent. Supreme.
Vous, vous allez rester là. J'ai pas envie de perdre la fusée incendiaire. Tac, tac, tac. On va essayer de ne pas trop utiliser les troupes, enfin les volants qui soient en forme. Ils vont pas venir ? Bah, ils y vont. Oui, ils viennent avec ça. Et merde, j'oublie qu'on peut pas faire ça avec les Skaven, casse les couilles! Et voilà, ils m'ont cramé une unité pour rien. Mais putain! Oh! Eh ben super! Il m'en reste que un. Ah, vas-y. Putain, il était dessus. L'unité était dessus. Ça n'a pas suffi. Et voilà. Quel enfer, cette capacité de ces morts. Dragon God, with joy. Bon, bah finalement, on va les sortir les trucs. On va les sortir les volants. Ils vont se faire bien pulvère par les. Par les tireurs. Ok. Il n'a pas le droit. Elle est forte la capacité du Yang. On va se transformer en dragon histoire de leur foutre la terreur et de les balancer. Ok, c'est bon. Ah, c'est Skaven qui passe le bout de leur museau pour te grailler le fion pendant la bataille. Quel enfer. 50 kills, aurait pu faire beaucoup plus. Merci Satek pour les 37 mois. Ma contribution, c'était soit ça, soit les chocolats pour ma fille, mais elle est assez grosse comme ça. Mais enfin. Tiens-nous les chocolats. Les chocolats de Pâques. On en a retrouvé dans les armoires de l'année dernière. Donc on essaye de faire comprendre à la famille. Non mais arrêtez, arrêtez, arrêtez avec ça. Mais bon, chaque année, tout le monde est là en mode « Ouais, ouais, cette année, on va être calme, on va être calme, parce que sinon, chaque fois, il y en a trop. » Joyeuse Pâques !
systématique. Do not disgrace yourself by begging for your life. Pacte de non-agression aussi, oui. Ah non, non, non. J'aime bien ton territoire. Et vous m'avez proposé un pacte. C'est perdu sur mon bureau, mais il était mais pas moi j'ai rien contre. Merci. Merci Shrek Muscle pour le Prime. Au secours. Ah. Ils sont pas concernés ? Oh, ils sont pas concernés. Il ramène la cheminée. Oh, la thune. On va voir ce qu'il va faire, lui. Il a qui comme ennemi, là ? Kugat ? Est-ce qu'il tuerait Kugat ? Oh, il est pas loin. Hein. Mais eux sont pas concernés. Ah ouais, c'est bizarre, ça. C'est pas des vrais vampires. Celestial General. Faut continuer, hein, ici. Je peux avoir des mercenaires ogres, est-ce qu'on a envie ? Bah, je voudrais qu'ils soient un peu meilleurs. Ah, il est plus là, le camp ? Ah, ou c'est parce que je le vois pas ? N'empêche, il est hyper bien positionné, ce camp. S'il est toujours là, il est là. Donc, juste à côté de mon territoire, du coup, il m'emmerde pas. Attention. Fight, c'est trop bien, be recompensed. I will make a soldier out of every raw recruit. Ok. Ah oui, lui, le nouveau, le gardien des portes. Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux aussi. Oh, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Oh, quoi ? Oh, la capacité de Village. Comment ? Je dois me venger. Faut défendre la ville, hein, parce que bon. Je dis, on va faire ça et ça. Get out of my mind. Ah bah, je vais pas investir. Il me faut ma deuxième armée, hein. Ouais, elle va venir, elle va venir. Et là, on peut pas virer ce truc-là ? Si. Je prends la reconstitution, mais ça dégage. General of the Celestial Host. Croissance. Plus de croissance. The Iron Dragon. On va les laisser venir. En voie disponible, mais il doit être encore. C'est pas la même. Il y a celui-ci. Attends, ouais, c'est pas comme ça. I crave. Volonté du dragon, c'est quoi ? Commandement plus 4 en zone. Oh. Usure moins 25% et taux de reconstitution. Ah, ça c'est vachement bien. Pour les caravanes, c'est vachement bien ça. Je sais pas. On en enverrait une autre ? Lui, il a deux lanternes célestes. Ouais, mais où ? Parce que ça commence à chauffer, là. On pourrait aller chez Clodoman. Chez Clodoman, c'est à peu près safe. C'est en vert, quoi. Si je mets la max, il ramène 4000 balles. Bon, allez, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, mec. Fais-toi plaisir.
busy with my alchemy. Il m'attaque pas. Ah oui, ça c'est oui ça. Harmony. Ajoute un capitaine. Ouais. Ça me va. Il n'y en a pas encore. Relations diplomatiques plus 40 avec les loyalistes célestes. Et attends, il doit y avoir encore des choses à faire là. All right. Boss. Signals will. Approach his friend. Oh, le commerce. Ouais, ouais, Marienburg. Non, vous non. Khemri, tiens, j'ai le droit de faire un truc avec eux. Il veut bien l'accès militaire, mais pas l'accord commercial. Par contre, il me paye 500 balles. Bah, écoute, c'est d'accord. Il est un peu moisi, mais lui, je suis d'accord. Là, je peux faire une alliance militaire avec les loyalistes célestes. Une alliance défensive, est-ce que je la veux? Non. Pas spécialement, pas pour l'instant. Merci Slyko pour les 23 mois. On va avoir le plaisir de te voir sur AOS pour la V4. J'ai pas prévu de me mettre à AOS. Et la V4 n'y changera pas grand chose. General. On mettrait deux petits... Ah, un seul. Oh, pourquoi pas. Muster to our strengths. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tiens, prends encore un arbalétrier. Une armée qui aura tir, ligne d'infanterie et mobilité avec les hommes corbeaux, donc pas Ah ! Oh, Snitch ! Bon, c'est de l'esclave, de l'esclave, de l'esclave, des rejetons. Il y a trois persos, il n'y a pas de héros, aucun, dans aucune armée. Énormément d'esclaves. Oh ! Serrez vos caleçons! Oh, ça va être chaud. Oh, j'ai pas de vent de magie! Aïe, aïe, aïe! Mais c'est énormément d'esclaves. Vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, du coup, faut prioriser les munitions pour abattre les rejetons. Ça, c'est indispensable. Et il faudra calmer tous les tireurs, bordel. Ils sont tellement dangereux, ceux-là, avec les tirs perce-armure de Snitch. Waouh, 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 ça va être... Ça va être rude. Bon, on va profiter du terrain. Oh ouais, mais si je me mets là, j'ai le... Arf. Mettre ici quand même. Ah oui, non, attends, je peux les... Bah oui, je peux utiliser le terrain là aussi pour ne pas me faire contourner. Voilà, alors cette fois, hein D'accord, voilà, là... Vous y touchez pas, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Yes! Shaper of Iron! The Celestial Faithful! Never conquer! Même eu le temps d'avoir une petite garnison supplémentaire. Crachera pas dessus. Je vais le mettre comme ça, faudra juste que je les avance après. Tac. Toi tu vas là, toi tu vas là. Viens dans là-dedans. Alors les corbeaux, faudra pas les lâcher trop vite non plus. Tout comme les longmas. Ce sera important de neutraliser les unités de tir, mais au bon moment. Au bon endroit. Attends, c'est vrai qu'il faut que je me prépare aux menaces souterraines. Là, ça paraît bien. Est-ce qu'on peut balancer du... Oui, on peut balancer de la pluie incendiaire tout de suite. Merde! Mais quel connard! En plus, c'est celui-là qu'il fallait pas! Mais j'ai déplacé le seul et unique qu'à chaque volée. Ah! Parce que j'ai fait mon alt-click sur le mauvais! Connard! Tout est sous contrôle. Ah!
Bon, je surveille là, je surveille. Voilà. Fais-moi un beau tir. Je surveille, je surveille. Voilà, bravo, bravo. Attends. Oui, là, oui. Tire plus. Ils sont pas assez regroupés là. Encore que. Oh. Ah oui, j'ai fait ça. Il y a deux armées qui arrivent ici dans un truc et moi je l'ai pas. Pourquoi j'ai pas regardé le terrain? Je suis pas devant avec ma batterie, quel con! Ouais, mais. J'ai Zaoming. Donc à la limite. Attention, ils mettent une autre couche. Combien de temps? 30 secondes. Oui, il sera à peu près. Toi, attends, recule. Ouais, et visez ça correctement. Hein. Attends, non, pas les esclaves. Pas les esclaves! On voit pas les autres. Voilà, ça fera du dégât de zone. Ok. Tiens, mets-toi là. Oh, comme ils visent mal! Ok. Que je me sors toujours des situations les plus improbables. Non. Mes trous de balles. Vous allez le protéger, c'est pas ça. Abattez-les. Atta. Atata. Atata. Iron Wind. Voilà, le car wash. Le car wash, le car wash. Voilà, voilà, ça brûle bien là, voilà. Voilà, merci. Merci Zao. Bravo. Oh, ce qu'il leur a mis. Ouais, ok, les trucs là-bas ils sont morts. Les vents de magie c'est fini. Et je ne regrette rien. Allez, charger tout ce qui est là-bas. Alors, Zao. Oui, on va le retransformer quand même. Ça arrive encore. Et il a aplati la totalité de l'armée de renfort qui est arrivée d'un coup. Fini leurs invoques à la con. Hein. Mais ok. Repositionnez-vous, vous aussi.
Ouais, on restait là. Voilà, très bien. Allez, vas-y. Full bordel! Là, il souffre. Reculez. Les esclaves fraudeurs. Oui, les courants nocturnes ont la priorité, par contre. Bon, faut quand même faire gaffe à Zao, mais il fait son truc. Il fait son truc. Secrets. Un secret, ça s'écrit avec combien de W exactement? Qu'est-ce qui reste qui tient à peu près? Est-ce qu'ils ont encore des rejetons dedans? Non mais allez, ça dégage ça. Et des coureurs en plus. Bon, faudrait essayer de se reformer un minimum pour l'arrivée du reste de l'armée, là. Je crois qu'ils ont plus de menaces souterraines. Esclaves, frondeurs. Bon, ça va, on peut encaisser. Des midlife. Attention, il a pas encore son item. Ouais, faut qu'il dégage, là. Faut qu'il dégage, là. Ah ouais, il prend trop cher avec les tireurs. Ah, waouh, oui. Comme il n'a pas encore son item, je peux pas compter sur le soin à la fin, quoi. Alors, ok, bon. Allez, fonce. Ok, on va y aller avec les unités aérienne de ce côté là, ça va aller pour être géré. On va reformer une ligne ici, comme ça. Arbalétrier ici, là. Les réserves, on protège les arrières. Toi tu restes là. Ah, il a pas réussi à sortir, il a jamais réussi. Ah ben oui, ah ben bravo. Ah ben super. Oui, il a jamais réussi. Il s'est pris un million de projectiles dans la face. Il est pas loin de la, il est pas loin de la ma... de la, du bord de map, donc peut-être qu'il va sortir. Mais il s'est jamais extrait de la mêlée, lui, d'accord. Et toi, tu viens te mettre ici. Ah, ils sont où là tous? Oui mais non mais barre-toi quoi. Enfin va, je peux pas le virer de la map et il est pas sorti. Mais c'est bon, quand il arrivera. Ah! Sorcerer of secrets. Never conquered. They will perish. Master mechanicist. Non! Tirez pas sur n'importe quoi. Il y a encore beaucoup qui arrivent, hein, quand même. Les loups, là, je veux pas les voir. Les loups, je veux pas les voir. Je les aime pas. Bon, ok, les hommes corbeaux vont pouvoir faire le taf. Et encore heureux, hein. Alors, ça, c'est un assassin. Hein. Un assassin. Oh, les lance-feu. Il y a beaucoup d'unités de tir qui arrivent encore et je suis pas rassuré par ça. Hein. Voilà, lui, vous le foutez dehors. Praise the dragons.
Je suis pas ultra rassuré par ça. Bon, ils arrivent lentement. Les esclaves à Lance, mais ils veulent pas partir. Hein. Non mais les longues mares, restez tranquilles. Préparez-vous. Pas évident à tuer, mais il va tomber lui. Bon, des projectiles, il m'en reste. De toute façon, il va être infernal à tuer au corps à corps, donc de toute façon, faudra bien passer par là. Ok. Bon, arrêtez de tirer, on va garder les dernières cartouches. Ouais, ça pourrait être bien sur les lance-feu. Voilà, ça c'est pas mal. C'est marrant, ils avancent vraiment très très doucement. Hein. Ok. Ouais, bien, bien, bien. Stop. Gardera les dernières roquettes pour quand ils packeront un petit peu. Voilà, empêcher les loups de se barrer et de revenir. Ah, ils risquent de passer en dessous. Non, c'est bon, je les accroche. Bon, lui, il n'y a plus qu'à lui foncer dessus et il va foutre le camp. A priori, il a plus de... Voilà, il a plus de morale, il va perdre son moral, puis on va le pousser dehors et c'est réglé. Tiens, eux, ils peuvent revenir aussi, d'ailleurs. Ça va le faire. Ils ont plus que des tireurs, j'ai plus qu'à leur foncer dessus. Donc j'ai qu'à attendrir tout ça avec les fusées. Et puis après, on vient avec tous les volants et on gère ça. Ça nous aura coûté un Zao, mais franchement, il a fait son taf. Hein. Mais c'est pas marché, c'est rampé qu'ils font là. Comment ça, ils arrivent aussi lentement, c'est pas possible. Voilà. Oh la vache. Eh ben. Ah. Pourquoi Zao il a pas réussi à se décrocher quoi? Il suffisait qu'il se décroche de la mêlée. C'est des Skaven, c'est tout léger, c'est tout mou, c'est tout croquant. Ils sont mignons. Ils sont pas là pour être dangereux, ils sont là pour être mignons. Il a, lui, en forme de dragon, il a pas réussi à s'extirper de la mêlée. Il a fait combien? Ah oui. Attends. Combien de... Ouais, ils ont eu beaucoup de kills quand même. Bah, Zao... Ouais, quand même. Hein, 2300. Oh, il y avait du monde. Hein. Ouais, tout ce qui est mobile a fait tellement le café. Les longues mâts 288, les hommes corbeaux 150, 220, 213. Waouh. Bon, dommage que Zao soit un petit peu cuit. Je vais prendre la reconstitution. Maître de bataille commandant plus 5 pendant 8 tours. Ouais. Faut que je le remplace. Ah, on va le remplacer par un autre seigneur.
Capacité de réserve de magie plus 8. Oh, plutôt yant, non? Défense plus 6, résistance en mêlée. Ça, on sera sur le même profil. Elle a pris qu'un point. Bah oui. Ah, je vais prendre l'altération du métal. Je pourrais toujours spammer la main de plomb. Hein. Ok, bah écoute, c'était un beau combat. Celestial General. Attends, quoi? Ah oui, c'est, il faut finir le truc, c'est pas comme un recrutement normal, oui, c'est vrai. Il est vrai. Oh, les hommes bêtes qui sont là. N'empêche que ça vaudrait un peu de thunes, hein. Ah, de nouveau, grosse fluctuation de pognon. Allez-y, hein, n'hésitez pas à écrire les raisons pour lesquelles le pognon a tellement fluctué cette fois. Hein. C'est l'harmonie, c'est tel personnage. C'était l'événement, c'était le bâtiment, c'est ma sœur, je l'ai vue. N'hésitez pas, hein. Vous aussi, hein, YouTube, et j'ai très hâte de lire tout ce que vous allez m'écrire. Bisous, à bientôt.